Bonjour à tout le monde, je fais cette vidéo pour vous montrer les produits soins que j'ai pris pour bébé. Ils y sont pas tous parce que bon, bah, bien sûr j'ai pris des couches, hein, ce qui est basique. les cotons, enfin des cotons pads et même également des maxi cotons. J'ai pris aussi des cotons-tiges, on sait jamais, peut-être je vais m'en servir, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Du sérum fille, un mouche bébé, enfin tout ce qui est plus banal. Ce qui est normal, comment dire, mais je vais vous montrer les petits produits soins que j'ai pris sur certains sites. Donc pour commencer, les choses qui vont être sur ma table allongée en soins, c'est ce produit-là. Donc l'eau nettoyante Rivadouce, que j'ai pris sur Rivadouce. Voilà. Donc ça sent un peu la fleur d'oranger en ce moment. Je ne suis pas fan de la fleur d'oranger, on verra bien. Mais ça sent le bébé tout simplement, ça sent quand même très très bon. On continue avec du liniment parce que moi je... Oh non, tu m'as pas coulé dessus. Oui, je me parle à toute seule, en tout gras. Ouh. Il n'y a pas d'odeur au niveau du liniment, mais ça a coulé. Bref, c'est pas grave. J'ai pris de la marque Gifray. Le liniment oléo-calcaire stabilisé, soin pour le change, produit naturel. Sans parabènes, sans sel d'aluminium, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, voilà pourquoi je l'ai pris. Voilà. Donc il y a de l'huile d'olive vierge extraite par pression à froid et également de l'eau de chaux, donc tout ce qu'il y a de plus simple pour le change de bébé. Donc voilà ce que j'ai pris moi. En gros flacon, j'ai également un petit flacon aussi pour le sac à langer. Là, j'ai pris en 900 millilitres. Oui, tu vas y arriver à parler. 900 millilitres. Et l'autre, c'est un plus petit dosage pour le sac allongé. Ensuite, j'ai pris, donc, qui sera aussi sur la table allongée, une crème. Parce qu'en fait, je ne sais pas si je l'utiliserai honnêtement. Mais je l'ai pris pour l'utiliser, hein, ce qui est logique. Mais je l'ai pris parce qu'en fait, vu que ça va être un bébé d'hiver. D'ailleurs, il va certainement venir assez rapidement, enfin, dans quelques semaines, je pourrais accoucher, je pense. Parce qu'il est prévu pour le 27, mais la plupart me disent que, en fait, enfin, je sais pas, mon docteur avait prévu que c'était le 25 janvier et ma sage-femme le 27. Sauf que, bon, bah, ça va être plus le 25 que le 27, donc il va arriver bientôt. Et peut-être même plus tôt que prévu, hein, on verra bien. Donc j'ai pris de la marque Uriage, une crème spéciale pour protéger bébé du froid, du vent, vu qu'on va être dans l'hiver. Donc c'est une cold cream, une crème ultra nourrissante pour les nourrissons, hypoallergénique. Niveau ingrédients, j'ai regardé sur le carton et il n'y a rien à dire, c'est vraiment une très bonne marque, la marque Uriage. Je ne peux pas vous le sentir parce que je n'ai pas ouvert l'opercule, mais en tout cas, ça a l'air d'être un super produit. Tous ces produits-là, je les ai pris soit sur Paradrug, soit sur Easy Parapharmacie. Ensuite, j'ai pris également ça qui sera en stock. J'ai pris le lait de toilette sans rinçage. Je voulais prendre aussi l'eau, mais elle est toujours out of stock. Donc, elle est bien sûr sans parabènes, sans sulfate, sans PEG, sans phtalate, sans alcool. Eau tolérante, testée sous dermatologiquement, enfin à 98% du total d'ingrédients sont d'origine naturelle, niveau ingrédients nickel, c'est vraiment une marque qui me plaît beaucoup et l'odeur est divine. Je préfère cette odeur-là à l'odeur de Rivadouce, honnêtement, ouais, franchement je préfère celle-là, ça sent vraiment plus le bébé que Rivadouce, ça sent le bébé certes, mais il y a une fleur d'oranger, enfin il y a l'odeur de la fleur d'oranger qui me dérange. Mais sinon, ça sent super bon. J'ai également pris ça au supermarché. Je me suis dit, je vais essayer. Donc, c'est des sacs à couche de la marque Pommette. Donc, sacs à couche parfumés. Je sais pas à quoi ils sentent. Hein. Je ne les ai pas encore ouverts. Donc, spécial, j'en mettrai quelques-uns dans mon sac à langer pour. Voilà. Et ça évite les mauvaises odeurs. Ça, on verra. C'est vraiment gadget, ça, honnêtement. J'ai également pris une huile de massage pour bébé que j'ai oublié de vous apporter. Et bah, il y a plein d'autres choses qui est sur ma table allongée, mais je vous ai montré les... Ah oui, j'ai oublié les gels lavants. J'ai pris le gel lavant de la marque Rivadouce.
J'ai également le gel lavant de la marque Biolan, donc on verra bien. J'ai pris différentes marques pour pouvoir tester, pareil pour les couches, pour pouvoir tester pour voir si il les supporte ou pas, ou si, enfin voilà, pour voir. Donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo assez rapide, enfin je pense assez rapide, pour vous montrer ben, les produits soins que j'ai pris pour bébé. Moi j'essaye de prendre le plus naturellement possible en fait pour mon bébé, tout simplement. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc il y a peut-être certaines personnes qui vont pas aimer ce que j'ai pris, mais tant pis, c'est pas grave, de toute façon, c'est notre bébé, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.